Ok. J'ai un copain, Jacouille, il s'appelle. Hein, Marco ? Jacouille. Ouais. Voilà, ça fait 1000 euros. Mais il travaille. Là, on était avec lui là, pendant un quart d'heure, 20 minutes avec Claude, quand il peignait ça. Non, mais techniquement, il est très très fort, hein, ça c'est clair. Ça, ce que j'aime, c'est le concret est derrière cette impression un peu lointaine. La perspective, ouais. Je peux très bien choisir quelqu'un d'autre que vous et donner mon prix à quelqu'un d'autre. Hein. Ça, c'est pas là. Mais bon, ça marche. Moi, j'ai pas de. Oui, non, ce que je veux dire, c'est que. Moi, c'est plus comment ça se passe, Claude? Il y a un prix, il y a plusieurs prix. Toi, maintenant, faut que Pierre non plus, s'ils font déjà partie. Et après, il y a le parisien, là, où ça va être compliqué de le mettre en place. Ou... Ouais, de la balle. De la balle. J'avais vu des. Oui. Parce que j'ai des pochettes avec des stylos, des pochettes avec. Il y a des t-shirts, il y a des retros de trucs de bande dessinée, donc après ils choisissent ce qu'ils veulent. Donc on va juste donner un ordre. 1, 2, 3, 4. Voilà. Ça, cette petite. Maintenant elle fait son bar cette année. C'est génial. Ah oui. Je suis fan. Ouais. Bon, moi je vais me donner mon avis. Il y a le meilleur. Un peu. Ouais. Le meilleur. Le 1, le. J'aime beaucoup aussi, celui-ci aussi. Le cœur, ouais, j'aime beaucoup. Par contre, celui-là, j'aime bien très aussi. Très beau aussi, ouais. Moi, j'hésitais entre les deux là aussi. Ils sont très beaux, niveau aquarelle. C'est très beau. Ouais. Mais c'est bien, c'est bien. Surtout la recherche au niveau du vêtement. Oui, on va bien là. C'est sympa aussi. Ça, c'est sympa. L'atmosphère est belle. L'atmosphère est quelque chose. Qui accroche. Donc je voulais tous vous remercier d'être venus, autant les peintres que les autres, que les spectateurs. Je voudrais saluer Monsieur le maire. Il y a des membres du conseil municipal qui sont là, président de l'APE, adjoint au maire, président de l'office du tourisme. Je voudrais excuser Monsieur Husset, ancien maire. Il était peut-être la personne qui m'a donné l'idée de faire cette manifestation, mais qui n'est pas là, qui a été absenté pour le week-end. Je voudrais aussi remercier tous nos partenaires. Donc, c'est des partenaires de très longue date. Il y a Géant, le fournisseur de matériel de Beaux-Arts, et Cave Volberger,
ceux qui ont pris de leur temps pour peindre dans la rue, dans les rues bientôt. Et je trouve qu'en effet, c'est une bonne initiative que d'imaginer que cette animation puisse s'étendre sur le rempart sud et la ville, parce que c'est vrai que peut-être les peintres en ont peut-être un peu assez d'être cantonnés dans le même secteur et d'avoir toujours les mêmes endroits à peindre. Et je crois qu'en effet, vu le nombre de touristes et de promeneurs qui sont venus assister à cette manifestation, ça prouve qu'il y a en effet, certes, le soleil, mais aussi le souhait de vous rencontrer et de vous voir travailler dans la rue. Alors, de notre côté, on appuie fortement ce souhait que vous avez de vous développer, d'aller plus loin. Je disais, on peut aussi imaginer que, eh bien, il n'y ait pas de voiture ce week-end-là dans la Grand Rue, de façon à justement permettre à tout le monde de pouvoir circuler et d'aller vers les endroits qui vous plaisent à l'œil. Alors, Patricia donc, et Claude, membres de l'APE, le fait est de pouvoir dynamiser un peu l'artistique, puisque Eglisheim et l'art, ça va de pair, ça va ensemble. Donc on a besoin d'un an, voire deux ans, pour pouvoir construire ça correctement. Mais le but premier est de pouvoir évoluer au niveau du village. Parce que je pense que c'est un avenir. On a le tourisme, on a la viticulture, mais je pense que l'art est quelque chose de très très important. C'est là ? Superbe. Il est là, voilà. Bravo. Et troisième prix, Laura. Quatrième prix, Océane. Bon là, je te le donne parce qu'il ne reste plus rien d'autre. Hein. Tiens. Voilà. Bon, on va passer au grand. Bravo. Oui, la Guillaume. C'est qui ? Oui, pardon. Ah oui, attends, bah, tu vas le tenir. Merci. Et avec le prix de la ville d'Eglisheim. Merci, mairie de l'Eglisheim. Merci tout le monde. Et un prix aussi qui vient. Oui. De l'APE. De l'APE, de l'association. Oui. Okay. Bravo. Merci. Alors, le deuxième prix. Voilà. Merci beaucoup. C'est un bien fait bon, monsieur. Très bon. Ça m'a fait très plaisir. Merci aux organisateurs. Voilà. Une bonne journée. Puis bonne vendange. Hein. Merci. Le troisième prix. Ah oui, il y a des gens. Il laisse en tenir au moins un. Merci. Merci. C'est super sympa. Merci. Voilà, donc c'est... Merci à vous. Je peux me permettre de faire un bisou. Ah, j'en profite. Évidemment. Et moi, je pique. Et moi, je pique. La bise, monsieur maire. Merci. Donc, c'est ça. Ouais. Ah, bah, bien, bon gentil. Pour une exposition. Ah, excusez-moi. La modestie. Voilà. Bien. Tout le monde a vu, je peux l'enlever ? Non ? Alors, Alain, vous êtes obligé. Tout le monde, à la fine. C'est un honneur. Bravo. Félicitations. Merci, de rien. Alors, je me permets de préciser qu'on a eu beaucoup, beaucoup de mal à décider pour le premier prix entre Twin Shenguo et vous. C'est pour ça que la délibération était très longue. Parce qu'on a autant aimé l'un que l'autre. Voilà. Donc, il fallait que je le tienne, non ? Ça va ? Attends. Merci. On a vraiment eu du mal à se décider en tout. Voilà, alors on a. Merci. Bon, encore un. Hein.
prochaine fois, il faudra qu'ils viennent avec du rouge. Hein. Promis. Ouais, alors on sera avec du vin. Je te remercie. Ah, le tableau. Ah oui, le tableau. Le tableau, il est là-bas. L'avant-dernier. Voilà, encore une fois, je vous remercie. Merci. Tous. Et on va... Et les autres aussi, hein. Allez. Quelqu'un suggère que chaque peintre prenne le tableau, parce que madame voulait voir qui a fait quoi. Ouais, ça va. Voilà. Ça va comme ça. Allez. Attends, ah oui, il faut reculer, il n'y a pas assez d'angle. Ça va être chaud. Sans flash. Voilà, ça c'était mieux.